Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas dans ces gens encore. Père, bien-aimé, qui a été sur la terre. Vous ne laissez pas encore le Dieu de ta patate de mêlée. Vous ne laissez pas encore le Dieu de ta patate de mêlée, Seigneur. Ce que tout le monde est à moi, vous voyez, il y a qui n'a pas lâché, c'est que partout, vous l'avez lâché. Si toi, il y a ton équipe, il y a ta lieu pour que tu n'as pas lâché.
la poltrona del sé. E non si parla a te. Ora stiamo vaccinando. Cosa farà parte del sindaco che non farà più della parte del grande atto presentato? Cosa la buona telefono, la BBS, perché la buona parte del grande atto presentato la parte del sé? E passo in quella lavora. Ma io dico la prossima ora. Grazie a tutti, signorissima, la condanna, non la condanna. Maintenant, nous voyons que c'est l'heure parfaite de Dieu est achevée. Alors, nous remarquons qu'il était tout ce qui avait été promis à son sujet. Il y a toutes les promesses, toutes les prophéties, tout ce que Dieu avait promis. La prophétie écrasera la tête du serpent. Oh, il ne peut pas l'écraser par la loi. Il ne peut pas l'écraser par le prophète. Mais Dieu l'appelle, il l'écrase, oui. Dans la prospérité de la femme est devenue le chef d'homme. Christ, il était la pierre qui venait là, lui, détaché de la montagne. Il était celui qui pouvait frapper, il était celui qui pouvait écraser, écraser la tête du serpent. Sa vie a correspondu exactement à la vie de Moïse. Sa vie a correspondu à David. Voyons, c'était le cas. Il y avait un marqué qui correspond. Le marqué, il est arrivé. Il va voir le jeté. Il dit, voilà son propre peuple. Il a été un jour, pendant que son propre fils, c'est tout le monde, c'est Michel contre lui. Il a séparé, il dit, les armées de Israël. Et il a été, David a été chassé. Chassé de son trône par les pieds. Et quand il est parti, il y avait un homme qui a été. Et il marchait là. Il cachait son gardien. Le garde avait guéri son épée. Il a dit, ne lui tu parles pas la tête à ce chien qui a caché sur mon roi. Il avait la vie même bien. Et lui, il lui a dit, pas ça. Ne vous dites pas. L'homme de douleur a dit, tu es la puissance. Et ce qui est là, semblable à une lumière devant tout ce qu'il attend. Et ce qu'il a dit, peut-être que David ne savait pas ce qu'il disait. En environ 5 ou 600 ans plus tard, ou un peu plus, le fils de David passait dans ce même rue. Et on lui a caché dessus. Et remarquez ce qui s'est produit quand David est revenu de son. Quand il avait été en plus. Il avait été en plus, il est revenu de son exil. Quand il est revenu, cet homme-là a demandé la paix et a accordé son miséricorde. Même ceux qui l'ont frappé le verront un jour quand il reviendra. Et nous avons donc un Joseph. Le Joseph était un garçon de 50 grammes. La dernière partie à partir du haut du tournant, sur lequel le fait d'œuvre devait se construire, c'est parti de la foi, à l'amour, à la grâce, et de là, à la perfection. Et ça a été la même chose. C'est parti des filles au commencement où on arrive à la perfection en tout. Remarquez comme il a été représenté en Joseph, le haut du changement, le plus parfait de tout. Et voyons que Joseph est né de sa famille. Il est né de la famille d'Israël, en fait, qui était l'époux de Jacob. Remarquez aussi, c'est pour l'instant, on parle à lui. C'est pas eux, ils ont envoyé sans cause. Pourquoi la vie est-elle? Parce
il était la parole. Pour lui dire le temps moi-même, pour lui dire comment la tête pour moi de lui. Alors regardez comment la tête du corps. Maintenant, regardez bien comment la tête de l'Église. Il était la parole, il est là, il était voyant. Il avait des choses avant, et il les annonçait. Ils arrivaient, peu importe le délai, ils arrivaient quand même. Et parce qu'il était spirituel, il a été soumis par ses frères. Il aurait dû l'aimer. Mais il est haïssé. Parce qu'il était prophète et qu'il était spirituel. Alors il est haïssé. Remarquez, il a été vendu pour presque 30 pièces d'argent. On l'a mis dans une fosse et on le pensait mort. Et il a été sorti de la fosse. Et à l'heure de sa tentation en prison, les chansons de Palestine, nous savons que les chansons ont été sauvées et que les Palestiniens ont été perdus. Et dans la prison de Dieu, sur la croix, une personne a été sauvée et l'autre a été perdue. Deux valeurs. Deux intentables. Nous remarquons qu'il a été sorti de la prison où il était pour aller à la droite de Pharaon. La personne qui va parler à Pharaon sans passer par Joseph. Et quand Joseph quittait le trône de Pharaon, la trompette sonnait dans toute l'Égypte. La sonnerie retentissait. Il disait, fléchissez-le debout. Tout le monde, Joseph arrive. Et ça va la même chose pour Jésus. Il a oublié un éditeur. Et il a eu de ses frères du domaine national. En cause. Il a été vendu pour 30 pièces d'argent pour étudier et mis dans la fosse pour le penser mort. Pour la croix, une personne a été perdue et l'autre a été sauvée. Il a été élevé de la croix et il s'est assis à la droite de Dieu, dans la majesté, le grand esprit qui était recueilli en lui. Et personne ne peut parler à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Tant pis, et quand il quittera ce monde, il s'avancera, la trompette sonnera. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Et Jésus, il était le pire de la postérité. Tout ce qu'il faisait réussissait. Sauf que l'on est dans le tournoi. Il a fait apprendre que pour ses enfants, il serait composé de toutes choses à leur bien. Que ce soit la maladie, la prison, la mort, la peine, quoi que ce soit, ces choses sont ouvertes au bien de ceux qui viennent. Il a promis. Et il doit en être inquiet. C'est la gloire, c'est la gloire qui a lancé au figuré en lui. Il est une image parfaite de lui. Maintenant, nous voyons qui aussi, et quand il reviendra, c'est lui, Joseph, par révélation, il a trouvé le monde, grâce à sa grande prophétie. Saint Joseph, le grand pour le monde, demain, sans Jésus, le monde aurait été mort. Tandis qu'à Dieu a changé le monde, qui a donné son destiné, afin que quiconque soit en lui ne périsse point. Lui, il est la vie en réserve. Nous voyons Dieu pendant longtemps. En effet, il a correspondu tout à fait à David. Il a correspondu à Moïse. Il a correspondu à Élie. Il a correspondu à Joseph. Tout ce qui a été représenté ou prédit par lui dans l'Ancien Testament, ça correspond parfaitement. Pour montrer un rédempteur parfait. Pour que nous puissions remettre nos vieux vêtements sales à la dentifrice et retourner les réclamer. Ils ont été lavés dans le sang de l'agneau. Nous pouvons réclamer ce qui est à nous. Et tout ce pourquoi il est mort, nous pouvons le réclamer. Donc, il était la parole parfaite de représenter. Il a pu agir le grand sculpteur de le frapper et de le faire de cette manière-là. Et le voyons dans l'Égalie, ici, comme lui. Nous avons tous considéré, nous avons détourné notre visage de lui. Son maître n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde parlait de lui, se moquait de lui. Et de lui maintenant, c'est aussi que je parle. Tout le monde se moque de lui, voyez. Nous l'avons considéré, nous l'avons vu. Considéré, ça veut dire regarder. Nous l'avons considéré comme frappé et infligé par Dieu. Mais pourquoi est-il fait ça? Il était blessé pour nos transgressions. Il était brisé pour nos iniquités. Maintenant, on pourrait continuer pendant longtemps la bêtise. Mais je crois que vous avez une idée ensemble de ce que je veux dire là.
Dieu qui répand ensuite son cadavre. Mais n'oublions pas qu'au commence, hein, quand il a tapé le côté d'Adam, il a retiré quelque chose de son côté. Or, Christ a été tapé, c'est dans un but. Pour que Dieu se retire de quelqu'un. Pour une famille, une épouse. Et Dieu se rend de lui une épouse. Alors, quand son chef-d'œuvre a été amené à la perfection, c'est à ce moment-là qu'il lui a fallu le frapper pour retirer de lui, non pas un autre morceau, non pas une autre création, mais une partie de la même création. Mon frère, vous ne connaissez pas mal, mais dans ces derniers instants, puisque de lui, la création originelle, il a retiré un morceau pour former son épouse. Il n'a jamais procédé à une autre création. Il a pris une partie de la création originelle. Dans ce cas, qui était la parole, qu'est-ce que l'épouse doit être? Elle doit être la parole originelle. Le Dieu vivant dans la parole. À Kimberley, on a fait tout seul, une fois, je regardais les diamants, la manière dont on l'a vu créer le sol. Et je le voyais par terre, c'est que le lien, le directeur de musée, il est venu, c'était un de ceux qui s'occupaient de l'ordre dans les lignes de prière. J'ai remarqué que le diamant qui était devenu à des trois de milliers de dollars, c'était dans le lit, mais il ne s'inquiétait pas, même la lumière. Alors, le directeur de musée, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'il ne s'inquiétait pas? Les directives n'ont pas encore été taillées. Il faut qu'ils soient taillées. Ensuite, une fois taillées, c'est là que le respect est mis. Et voilà. Les chefs-d'œuvre doivent être taillées. Remarquez. Taillées pourquoi? Est-ce que le morceau est retranché? Non, non, le morceau qui est retranché, on a fait une grille de phonographe. Une grille de phonographe est posée sur un disque, une musique invisible au milieu du monde. Mais c'est de lui qui a fait ressortir. C'est ressortir la perception véritable de la parole. C'est lui qui a correspondu à tous les peuples. Il a pu agir de le frapper. Et alors pourquoi il a pu le frapper? Pour la même raison qu'il lui a fait frapper à l'homme. Maintenant nous le voyons puni, frapper de Dieu et affligé. La vie est parfaite. Il m'en est pour le pécheur, un chef-d'œuvre parfait. Maintenant, depuis près de 2000 ans, Dieu, de nouveau, a été occupé à lui faire un chef-d'œuvre. En effet, il a tapé Adam pour détacher un morceau de lui, une partie de lui et tout, pour lui faire un épouse. Et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait, il a tapé le gamin, il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament, c'est tout. Il a accompli l'Ancien Testament. Maintenant, c'est le Nouveau Testament, un autre morceau qui doit s'accomplir. Voyez-vous, le Nouveau et l'Ancien sont mariés ensemble. Voyez-vous. Il a fallu de nouveau pour créer l'Ancien, donc les appuyer de nouveau. Christ est devenu le chef-d'œuvre qui va accomplir cela. Maintenant, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Un autre chef-d'œuvre est en train de se faire. De même qu'il lui a fallu 4000 ans pour faire le chef-d'œuvre, voilà, c'est depuis près de 2000 ans. Il a été occupé à faire un autre chef-d'œuvre, une épouse pour Christ. Un autre chef-d'œuvre. Et pour le faire, il le fait en utilisant sa méthode qui ne change jamais. Le même moyen qu'il avait pris pour faire le chef-d'œuvre. La parole. C'est ce moyen-là qu'il prend pour faire le chef-d'œuvre, parce que c'est seulement par la parole parfaite que ça peut être un chef-d'œuvre parfait. Tout dit, un déchet. Il est rejeté et il se brisera. Et les pieds d'affaires passeront, mais cette parole ne se brisera jamais. Rappelez-vous, quand on taille un diamant, il faut avoir un outil parfait pour le faire. Mais sans quelle pièce ne sera pas l'affaire. Dans des parfaits de craquants, dans des grands broyards de plusieurs temps, ces étoiles de plusieurs temps, ce diamant passe à travers tout ça. Non, on ne brisera pas le diamant, il faut qu'il soit taillé. Mais devant, c'est la même chose, par sa méthode, il ne change jamais. Nous voyons dans Malachie 3 qu'il a dit, je suis Dieu, je ne change pas. Je ne peux pas changer de méthode. Donc,
Il a commencé avec Abraham. Et la suite du premier chef-d'œuvre, il a commencé avec Abraham à trouver un pansement pour construire un autre chef-d'œuvre. Au jour de la Pentecôte, qui descend, il a commencé à construire un autre chef-d'œuvre. La parole commence, c'est originel. Il a commencé dans la première église. Et ce que c'était? La parole commence, la parole manifestée. La promesse qui avait été faite. Je vous l'avais dit dans le dernier jour, il dit, j'avais pendu mon esprit sur toute chair, vous voyez ces deux filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, si vous ferez dans le dernier jour, les deux, les derniers jeux vivants. Remarquez. Et au commencement, c'était l'original. Comme Jésus l'a dit, la parole de Dieu est une semence qu'un semeur a semé. Et il était le semeur. La semence, c'était la parole. Et remarquez. Toute semence qui reste seule ne produira jamais rien. Elle doit tomber en terre pour donner de nouveau sa production. Et cette semence, c'est une vie parfaite. Elle est tombée en terre à l'unité. L'homme, quand elle est devenue une dénomination. Maintenant, les historiens se disent. Et vous qui avez été semblable, évitez-le, vous verrez que c'est bien juste. L'Église est morte, annoncée, femme, quand elle a adopté des gars et des dieux au lieu de la parole originelle. C'est ce que c'était. Dieu avait démontré, par sa première Église, qu'il était Dieu. Il avait une Église parfaite. Mais l'Église, comme toutes les autres savantes, elle doit tomber en terre et mourir. Donc, elle est tombée en terre, elle est morte, elle est une tête de Satan. Vous savez, j'ai lu un livre là dernièrement, quelqu'un avait écrit un livre, il parlait de Dieu silencieux. Il avait été appelé, j'ai oublié, je pense que c'était Brandeis, non, le pasteur, non, de l'auteur, mais je n'arrive pas à me rappeler. J'avais dans mon bureau le Dieu silencieux. Il disait Dieu pendant les milliards de l'âge de ténèbres, et restait là, sans même bouger la main. Il a regardé les fidèles martyrs aller dans la tombe au lion et être brûlé par les remparts. Il y a des assassinats de tout genre. On les était bien laissés complètement, on était le seul à notre cheveux long, avec du goudron, pour les aimer. Aimez-vous les cheveux courts, c'est avant que ça commençait au début. Mais quand quelqu'un avait les cheveux longs, alors on sentait plus dans du goudron et on mettait le feu et on les aimait. Alors qu'elle lui était dit, on est livré au lion. Et cet auteur a dit qu'il était ce Dieu. Oh, combien l'homme peut être aveugle parfois. Mais ça veut dire pas que cette semence devrait mourir. Il n'a jamais cherché à les livrer. Ils sont descendus en terre victorieux. Ils sont descendus en terre ensemble et entrés à la demi, en donnant leur vie. Pourquoi? C'est justement, c'est de tomber en terre, comme il nous dit dans un janvier. Le grain de Dieu doit tomber en terre et mourir. C'est pas seulement mourir, mais sourire. Et cette dénomination est loin de se douter que la vie est encore là. Bien que l'Église elle-même, au conseil de l'Église, c'est 15 jours de débat politique qui arrive de temps, au moment où les aristocrates sont arrivés, il voulait injecter ses grands militaires dans l'église. Et les prophètes sont venus du désert, là, ils se nourrissaient d'herbes sauvages, ils se couvraient de faux animaux. Des vrais prophètes, et on les a expulsés. Pourquoi? La semence doit tomber en terre. Elle doit mourir. Elle est morte à l'âge des ténèbres, enfuie sous la boue noire. On pensait que c'était sa fin. Vous savez, dans Jean 24, il a dit, si vous voulez établir le commentaire, vous restez seul. Et la première église, c'est cette reproduction. C'est l'épouse. Cette commande, cette parole manifestée qui est tombée en terre, manifestée, comme. Écoutez, il dit, vous qui entendez ceci, dans toutes les nations, la voilà votre vie. Ce sont les dénominations.
Et là, c'est la parole qui est crucifiée. Et tu vas accepter des hommes. Et pendant des centaines d'années, la brûlante était même. La puissance et la manifestation de la parole, et la manifestation de la parole était cachée au monde. Et cette unité, c'était pour la réunion. Comme nous savons tous, dans la victoire. Et cette unité, c'était seule à réunir. Mais on ne peut pas casser justement ces tombeaux. Elle doit faire ça. Pourquoi? Parce que le grand sculpteur est allé. Il va construire le nouveau. Alors, la semence est tombée, la parole. Quand nous voyons Saint-Paul, Pierre, Jean, tous ceux qui ont dit la parole, ils ont écrit, la parole qu'ils ont écrite a plus vite, a réussi. Elle a réussi. Nous voyons quand elle est arrivée à maturité. Jean s'est mis à écrire le bébé, là, il a été expulsé sur le département après avoir été brûlé dans le lieu pendant 24 heures. Mais la parole doit sortir, elle doit être écrite. Ils n'ont pas réussi à faire sortir le cet esprit de Jean, faisant brûler celui-ci dans l'huile. Alors Jean en est ressorti. Son travail n'était pas terminé, il est mort de mort naturelle. Polycarpe, qui était un petit peu de Jean, a continué à porter la parole. Après Polycarpe, il y a eu Jérémie. Jérémie, le grand homme de Dieu, croyait exactement le même évangile que nous croyons. La parole est juste. Il dit que la création pour tomber dans la foule. Maintenant, on est venu à l'Isée, hein? Et c'est là qu'elle est tombée en terre, après Saint-Martin. Et elle a été assassinée. Saint-Martin croyait la même chose que nous croyons. Il a défendu la même chose. Au baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, au nom de Jésus. Il a défendu exactement la même chose que nous. Il était en français. Et il croyait la parole entière de Dieu. Vraiment, ils ont été crucifiés et enfoncés dans la terre. Et ils sont restés là pendant des centaines d'années, jusqu'à ce que l'enveloppe de la semence pourrie. Et les cadavres sont tombés en pourriture. Je suis allé aux catacombes de Saint-Anne, et j'ai vu qu'ils sont morts, leurs os sont morts aussi. Ils ont fini par tomber en pourriture, ce qui est à leur dos et qu'ils étaient. Mais la vie était toujours là. Le grain de vie qui est tombé en terre, qui est tombé de l'été, il a recommencé à germer en martin lucarne. C'est la même chose pour n'importe quel grain qui tombe, pour le doute. Après que les semences sont pourries, elle y a eu. Il a commencé à produire en martin lucarne. Qu'est-ce que Philippe a fait pour commencer? Il a rejeté la dénomination de cette vie. Il a protesté en déclarant qu'elle était dans l'erreur. En effet, il a dit le Dieu qui vivra par la foi. Et c'était fait. Une petite vie peut faire qui produisait quelques petites choses. Ça, c'était un peu de l'hiver. Ça ne ressemble vraiment pas au grain qui est allé en terre. Mais là, la vie est en train de sortir. Ensuite, c'était de l'huile du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'en dois dire à son époque, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a introduit la sanctification, il s'est tenu à la parole. Et qu'est-ce que cela a produit? C'est l'éternité qui était organisée. Ils avaient formé l'organisation. Alors, il était temps qu'il était. Le chef-d'œuvre est en train de se construire, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a protesté contre l'église anglicane. Il s'est manifesté dans la réforme, comme la Grèce. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben, si, il ne ressemble pas à la semence. La Grèce non plus. Maintenant, on va être attentif de toutes les nations. Que vous, que vous étudiez, c'est de mettre le dernier message que le prêche, ceci. Est-ce que vous remarquez, au moment où le grain de vie tombe en terre, au moment où il recommence à former le grain de nouveau? Observez la nature. La nature, c'est Dieu, précisément. Dieu œuvre dans la nature, c'est son seul moyen. Mais d'après la révélation pontifique, qui, selon eux, était la semence, ça ne l'était pas. Maintenant, regardez bien. Pourtant, quelque chose est apparu qui était tout à fait semblable à la semence. Regardez bien ce que Jésus a dit là dans Matthieu 24-24, que dans les derniers jours, les deux esprits seraient tellement forts au point de séduire les élus, si c'était possible. Alors la fille ne ressemble en rien au grec, et le grec non plus ne ressemble pas au grec. Mais maintenant, remarquez, pas au jour de l'État, mais au dernier jour.
La première chose, il y a des producteurs de blé ici, la première chose qui sort pour produire la semence de blé, on croirait presque que c'est la semence. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la balle. Une espèce de petite enveloppe se forme pour contenir la semence. La balle se forme. Mais la balle n'est pas la semence, pas plus que la graine ou la tige ne l'était. Elle n'est qu'un porteur de la vie. Du grain de blé, dans ce cas-là. Jean 12, vous voyez, Jésus qui parle. Le blé, après les graines, après Wesley, il produit la balle. Ce qui ressemble le plus au grain, plus que tout le reste. La balle ressemble plus au grain. On se rapproche constamment au grain de ce qui est allé en faire. Et quand la tige sort, il y a la vie dedans. Mais ce n'est certainement pas le grain. Les graines sortent, le pollen, encore là, ce n'est pas le grain. Et ensuite, la balle sort, et celle-ci a la même forme que le blé. Tout à fait semblable au grain de blé. Mais pourtant, ce n'est pas le blé. Exactement la même forme, parfaitement. Les pentecôtistes sont sortis exactement de la même manière que le blé. Chacun sort du précédent, sort du précédent. Mais ce ne sont que des porteurs. Ils deviennent une dénomination. Et c'est ce que la pentecôte a fait, elle est devenue une dénomination. Et qu'est-ce que le pentecôtisme a fait quand il est sorti, c'était fait semblable au grain. Tout de suite, il est retourné comme dans l'Apocalypse 17, formé une des stars dénominationnelles. C'est exactement ça. C'est ce que Jésus a dit. Maintenant, observez, l'Évangile va sortir en passant par Luther, par l'Ouest, dans la Pentecôte, et au dernier jour, dans cette journée, les élus, c'était possible. Les élus. Oh, mais c'est la Pentecôte. Le voyez-vous pas? Le blé à son premier stade, il est tout à fait semblable à la semence. Quand il commence à prendre la forme de la semence, c'est la balle. Et la formule de dénomination, elle a fait exactement la même chose que ce qu'ils avaient fait ici avec Luther. Apocalypse 17 démontre la même chose au sujet de l'Église. Or, le grain de semence, l'original, est tombé à Nice. Parce que c'est là qu'il y a eu la première dénomination. Remarquez, là, la vie qui se trouvait dans la tige, dans les graines, tout cela aboutit dans la semence. La vie qui est sortie de la semence originelle se transmise par différents processus. Trois processus différents pour revenir ensuite à son état originel. Alléluia. Oh là là. Je suis la personne la plus heureuse du monde que Dieu m'ait donné de voir ceci. Observez avec quelle perfection la parole et ces choses, la nature œuvre ensemble. De la même façon, nous démontrons la résurrection, le lever du soleil, le coucher du soleil, le lever de nouveau, la feuille qui tombe de l'arbre, qui descend dans la racine sur le sol, tout de suite, la vie de l'arbre va l'absorber le calcium et la potasse, et qui va faire réapparaître une nouvelle feuille. Voyez-vous, la nature plus entière, plus tôt en harmonie avec la parole de Dieu. Et voici la même chose exactement, parfaitement dans les arbres de l'Église. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit est descendu et a dessiné ces choses, et nous les a présentées comme il l'a fait. C'est tout à fait ça. Remarquez, ici, la vie qui était dans la balle, dans la tige, dans les graines, dans la balle, tout ça se rassemble dans la semence. Et la vie qui était dans la tige a servi, l'une a servi à former l'autre. La justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même pour qu'il descende dans sa perfection en ramenant la parole de nouveau pour pouvoir se manifester. Par contre, tout ce qui a formé une dénomination est mort. Par exemple, la vie qui était en Luther a servi à former Wesley. Et de Wesley, elle est partie dans la Pentecôte. Et à partir de la Pentecôte, elle a servi à former la semence originale. Elle sort du côté de Wesley, où elle reste jusqu'au moment de passer dans la Pentecôte.
La raison pour laquelle la Pentecôte est sortie aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'était pas une dénomination. La Pentecôte, on n'était pas une. Ensuite, la Pentecôte a formé une dénomination, oui, et c'est la fête. Elle est devenue la base. On aurait dit, elle a regardé que c'était la chose de l'État. N'importe qui, on a déjà vu une semence de blé qui commence à pousser. La première petite chose, c'est quoi? Tu te fais semblable à la semence, mais c'est la base. Vous voyez les trois étapes? La tige, la graine, et le pollen. Ensuite, la base. Et alors, de la base, sort la semence originelle. Oui, oui, ce n'était pas une semence, c'était la vie de la semence qui se développait à travers cette étape pour arriver à fermer la semence. Amen. Amen. Mais voyez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est une résurrection. Pour former de nouveau un chef-d'œuvre, pareil à celui qui est tombé en terre. La Pentecôte est sortie de Wesley parce que Wesley était alors une organisation. La Pentecôte, qui n'était pas une organisation, est sortie et après elle en est devenue. Il le fallait, elle forme là-bas. La véritable parole de vie qui était sur elle maintenant, elle avait formé le grain originel par ses étapes. Elle est partie de la tige, alors dans le pollen, du pollen dans la base, et elle est sortie de la base pour produire la semence. Non, la tige, la graine, la base, quand ils étaient en vie, ils ont produit au début de leur réveil un porteur de certaines parties de la vie de la semence. Mais, quand ils ont formé une organisation, la vie en est sortie. Nous avons la preuve de ça tout au long de l'histoire. Aucune organisation n'a jamais produit quoi que ce soit après s'être organisée. C'est tellement. C'est exact. Regardez bien, la vie continue son trajet, là. Elle continue à avancer. J'ai remarqué ce qu'elles ont fait, ce qu'elles celles-là ont fait. Tout. L'histoire nous le prouve que c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour les églises. C'était plus jamais, il y a tout seul. L'organisation a été mise au rencard. Tout au long de l'histoire, il n'y a jamais eu d'église qui ne soit morte après s'être organisée. L'organisation est morte et elle ne s'est plus jamais relevée. Vous ne voyez-vous pas? On a vu, ouvrez les yeux. La nature et la parole sont là, il y a une coordination et le mot est que celle-ci, c'est la vérité. Que c'est la vérité. La vie sort de la tige pour former les graines. À partir de la graine, elle forme la vague. Et elle sort de la vague pour prendre forme de nouveau dans la graine originelle. Remarquez, elle n'avait jamais plus lié à tout ça. C'est quelque chose de vraiment remarquable. Cette vie, son trajet dans la graine de blé, il est bien différent de son trajet dans l'arbre. Dieu a dit de son peuple qu'il était semblable à un arbre. Voyez-vous, la vie descend dans l'arbre et elle remonte. Elle descend et elle remonte. Voyez-vous, elle descend et elle remonte. Mais, dans la graine de blé, elle monte à partir de la tige originelle. Elle part dans la tige, les graines, la salle. Et ce qu'elle a traversé, elle mort, alors elle ne peut plus y retourner. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est plus d'aucune utilité. Elle poursuit son chemin pour atteindre sa perfection. Amen. Ne voyez-vous pas pourquoi elle n'a jamais utilisé une organisation? Il ne peut plus y retourner. Elle est morte. Mais la vie continue à se transmettre de l'un à l'autre. Voyez-vous? Ils introduisent des credos et ils injectent. Donc elle fera une seule parole ou retranchera une seule parole, voyez-vous? Il n'y a plus accès. C'est la semence de vie qui doit continuer son trajet. J'utilise ceci, donc mon grand parabole, là, du coup, le chef-d'œuvre qui est en train de percer. Comme le chef-d'œuvre qui est tombé, il y a un chef-d'œuvre qui est en train de se lever. Le chef-d'œuvre est tombé à la part un lycée, bon, un lycée, après un lycée, bon, il a plusieurs processus, mais voilà qu'il est en train de redonner ce chef-d'œuvre, amener à la perfection. Parce qu'il est une partie de cette parole qui a été prononcée par lui. Il aura une église sans tâche ni rite. Elle ne sera reliée en aucune façon à quelque organisation ou à quelque dénomination que ce soit, à cette chose mondiale. Elle est passée par ces choses-là, mais celles-ci ne seront jamais là. Remarquez, la semence manque. Cette vie manque. Elle ne retourne pas en arrière. Il n'y aura plus de résurrection après ceci. La vie manque pour atteindre sa perfection, une résurrection. Remarquez, la base produit le... Remarquez,
La balle expulse la semence originelle. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse, chapitre 3. Maintenant, souvenez-vous, il n'a été expulsé d'aucune autre église dans la Bible au nom de cet âge de l'église. Combien t'en souviens? Il a traversé chaque âge de l'église pour continuer pour de l'autre chose. Mais, avec ceci, ça y est. Il n'y a plus rien d'autre. Le sculpteur est arrivé à la perfection de nouveau. La parole. Vous voyez, ne retournez pas en arrière. C'est quelque chose de tellement différent. Oui. Oh, il est remarqué alors la balle, quand elle apparaît, son aspect est tout à fait semblable à celui du grain. Et quand la vie du grain commence à sortir de la balle pour aller former le grain, l'épouse, la balle s'ouvre et elle excommunie le grain. En vrai, la nature, c'est exactement ce qu'elle a fait. Dans l'Apocalypse 3, nous voyons que l'arbre de l'église est là au-dessus, la mise à la porte. En vrai, il n'était pas appris dans les autres arbres, parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui devait encore être produit. Il n'en était pas appris de l'un à l'autre, sans plus qu'on traversait, et depuis le début. Il n'y a plus d'autres déménagements à venir, nous sommes à la fin. Et il n'en vient à la porte. Pourquoi? Parce qu'il est la parole, c'est nouveau. Il est comme celui qui est tombé, là. Il est la fin d'autre qui est apparu au commencement. Quand la parole commence à se développer, la balle la retrouve. Mais elle dit qu'il y a une petite erreur pour qu'il la tue. Voilà les victoires, il dit qu'il partout dans la vie. Et dans Israël, c'est parfait que nous avions le temps, il ne reste que quelques minutes. Et elle peut partir commencement partout où elle était sur l'homme de feu, il avait la vie. Lui, il était génial. Même s'il était éliminé ou s'il était dans un bel endroit le soir, peu importe. Quand la colonne de feu se déplaçait, la trompette sonnait et Israël se déplaçait avec elle. Alléluia. Et quand la trompette a sonné, enfin, Israël a pris le départ avec elle. Et il s'est organisé, c'est qu'il a tué par lui personnellement, l'homme après lui. Alors, Dieu a ôté la vie de là, il lui a fait continuer son trajet. Il les a fait descendre dans la tombe. Alors, où est-ce qu'il est sorti? Il a vu cette grande organisation. Alors, il a sonné la trompette de la sanctification. C'est une des grandes portions de la tombe. Oui. À ce moment-là, il était ça. Il est sorti directement de l'Utah, on va plus le récupérer. Et quand la tombe de la vie, il va sonner de la trompette. Et quand la tombe de l'autre, il est une des grandes portions, il va sonner de la trompette, et voilà, il est sorti. Ensuite, il s'est organisé. Il a été frappé. Michel-Ange ne pouvait pas le reprendre de nouveau.
il ne peut pas la mettre en place. Mais Jésus va le prendre. Il va ramener la petite épouse et ses frères russes, tout le monde opposé de la parole de Dieu. Et le voilà. Voilà le Seigneur. La famille de retour dans la famille d'elle de nouveau. Comment ce que Dieu va-t-il arriver? Comment ce que Dieu va-t-il arriver? Un esclave va monter que dans le domaine de l'autre, les autres sont des amis. Quoi? Des amis. Pour le Dieu faire un commencement. Il est allé avec. Il est terminé. Les amis, tous les amis ont dévoré le dernier âme qui les faisait. Et tous les autres choses, ils les faisaient de nouveau. Un esclave aussi, il est allé avec le dernier âme, il a posé les gens au premier par le nouveau. Oui. Ce que nous voyons en fond devant nous, les filles, nous en sommes. Nous sommes là, nous sommes venus à quelques minutes, nous devons nous apporter ce que nous avons fait dans le monde. Mais la chair, elle ne doit pas nous dire, mais la manière, elle est finale. Nous devons nous retrancher de l'église, par l'église, nous devons nous retrancher avec son maître pour la même raison. Mais la parole, nous sommes venus à la chair, nous devons nous retrancher de l'église, qui était un parole. Et Jésus a été retranché de cette part, c'était la parole. Jésus est retranché. L'Église est retranché de l'Église parce qu'elle est la parole. On l'entend au départ, sans l'Église, on dit que c'est l'Église. C'est alors la vigilance et en action. L'Église de la Bible. Les gens ne disent que c'est un aidant. L'Église de la Bible. Après, il y a plus de partie. On a fait la dernière pour nous voir. Et nous allons construire et regarder et accuser par lui. Les gens, vous avez fait comme vous. Vous avez retranché de toutes les dénominations en parlement à propos de foi. Vous avez retranché de l'art de l'église de la vérité. Il y a le printemps. Vous avez mis le printemps dans l'art de l'église de la vérité. C'est la rare. Mais si les autres sont. Vous ne vous dites pas, vous avez le temps de l'autre, c'est de la rare, c'est l'élément. L'autre, la fille a mouru, c'est bien d'être mouru dans la vie, ou pour le paiement. Le droit de table est de l'éducation. Et c'est Jésus qui dit, bon, il y a eu beaucoup d'élèves sur votre là, il y a beaucoup de petits, oui, il y a des états-unis, c'est la faute de le fermer, de le fermer, de le tuer, c'est que l'autre, c'est que l'autre, c'est en plus, il y a pas eu une élève, c'est sur votre là, et la vie là, c'est la réponse, je vous dis, il y a un professeur, c'est un petit. Relâchez par les gens, vous excusez, relâchez par les églises. Et tout est dans cet état-là. C'est ce qu'on vous avez dit. C'est la parole, la parole à laquelle il s'est agi, qui est manifestée, le rejet. Donc, il y a tout, l'air, ou la parole, comme vous avez déjà dit la semence. Non. Vous devrez prendre de plus en plus à la semence. Les semences, les temps de la rencontre, la semence revient sa vie officielle. C'est un retour à la vie. L'esclave vous a dit que la marine est là. Oh, oh là là, elle doit avoir tout. Pour être cela, elle doit avoir toute la parole. C'est vrai? Et maintenant, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a entendu l'esprit. C'est la vie de vie de ce voyage en question. Pour couvrir à l'église. Pour l'autre, message, certainement, message, certainement. Donc, la parole de Dieu avait manifesté le tout, tout ce que la fille avait laissé en suspens, le pourquoi et tout ce qui en était, qu'elle avait manifesté en ce temps. Elle dit que c'est la parole de Dieu, alors nous le voyons. Dans ce cas, où en sommes-nous? Dans lui, où en sommes-nous? Il n'y a qu'une chose, c'est le moment de la leçon. Elle est parfaitement heureuse. Maintenant, elle est prête pour la venir. Remarquez. Non, elle ne se rend pas maintenant. Au temps de la moisson, la semence est devenue son départ visuel et doit avoir toute la parole. Et doit être la semence. Or, vous ne pouvez pas avoir une moitié de semence. Vous ne pouvez pas. Donc, il faut que ce soit la semence entière. Elle doit manifester, non pas les yeux de fond après une tempête et les yeux. Et pour parler en homme, ça, ce n'est une partie de la semence. Et maintenant, il y a plus de temps. Elle est bien. Pour lui, la vie. Par le temps, il y a la vie des gens. Oui. Vous avez vu ce que je veux dire? Nous sommes au temps de la vie. Voilà. La vie, les lèvres, la base, elles sont mortes et elles sont sèches maintenant. Il y a quelque chose qui doit la ramener, c'est qu'elles vont se rassembler avec mon second bien-aimé pour être guéri.
La parole est devenue chair. Et quand il avait tombé dans le 17, dans la chair, il dit, et on dit, tout est clair. On peut venir. Oui, il est vicaire. Il était dans la vie, il doit venir, c'est la base. Et maintenant, en train de se rassembler dans la parole. C'est là pour la résurrection. C'est là pour la moisson. L'alpha est devenu l'oméga. Amen. Le produit est devenu le vernis. Et le vernis est le produit. La semence qui est allée en terre a suivi un processus et est revenue la semence. La semence qui est tombée dans le jardin des graines et qui est morte est revenue. Et cette semence imparfaite qui est morte là-bas, on en est revenu à la semence parfaite, le deuxième Adam. La première ève qui est tombée, elle a diffusé dans la deuxième réforme, la deuxième venue. Quand on produit un enfant, elle est maintenant revenue à l'éternité. La semence revenue plus droit à la parole originelle. L'alpha et l'oméga, c'est le même. Il a déjà dit l'alpha et l'oméga. Il n'a jamais dit l'alpha, c'est quelque chose dans son épée. Oui, je dis l'alpha et l'oméga. Le premier est dernier. Oui, monsieur, le premier ministère et le dernier ministère, c'est le même. Le premier ministère et le deuxième dernier ministère, c'est la même chose. Le qui était dans la phrase, c'est dans l'oméga. Il y aura un autre, mais ça va nous obliger. Et autant que toi, il y aura le même bien. On est dit, l'alpha et l'oméga. On est maintenant, le premier est dernier. Oh là là. Voilà, il est parti des heures avec lui. Et on est chef d'œuvre, c'est stable. Le deuxième Adam, il y a deuxième terre, qu'on veut dire en fait pour le jardin. Le millénium, quand même, a revenu sur terre. Alléluia. Le grand plus tard, les affaires célestes. Il a mis le temps, comme il avait dit, des millions d'années à façonner le premier jour de parfait. Et ils sont tombés. Maintenant, il a mis des millions d'années à façonner le nouveau, et maintenant, les voilà faits. Le chef-d'œuvre est venu et il a été abattu. Le son courrier est sorti de cette campagne. Et elle est abandonnée dans la main de son processus. Maintenant, la moitié est revenue, alors que toute la nature va dire depuis le reste. Non, c'est que nous entendons là. Les nations se disent ça. Israël se réveille. C'est écrit que la ville d'armée dit. Les jours de nations sont fondés. Regardez tout ce travail que nous avons. Ils sont remplis de foi. Retournez au dernier vers les autres. C'est exact, vous êtes venu de vous détacher dans tout, ils sont repartis. Et j'ai déterminé de mettre dans le 5 prochain milieu du Dieu, remarquez les enseignants de la famille. Les amis et la femme ne peuvent pas vraiment, passer de sa vie, ils ne sont pas, il faut qu'ils soient, sinon ils ne sont pas dans la famille. La femme se l'a côté, il y a de l'autre, il y a de l'autre, c'est ça une famille perdue, ça. Et quand il y en a d'or, avec de l'amour dans son monde, ça, c'est une famille. Maintenant, le chef-d'œuvre de Dieu, c'était ça. Maintenant, toute la famille médicale ici est présentée pour lui. Maintenant, la famille, c'est le chef-d'œuvre, est revenu. Il est son époux, son frère est revenu. Le deuxième Adam, la deuxième Ève, maintenant, frère est revenu à l'ordre de France. Et le tableau qui est parti, c'était la rédemption. La ramenée de là où elle se trouvait, pour lui dire, c'est exactement la ramenée de toujours. Après, aujourd'hui, quand on a tout été devant les autres enfants de péché, et puis d'entre nous, le bar était là. Quand j'ai entendu ce bar de l'éternel, j'ai dit à bar, enfin, c'est ce qui était dans l'air. Je tenais là, quand j'étais à la fin du ciel, et c'est parti de ce que nous voyons. Et les hommes d'affaires, vous avez demandé d'inviter ce bar-là, et que je dis ça, ils sont fait son corps tourner dans l'arrière. Beaucoup d'entre eux le font maintenant. Et il a dit, bon, les gens me demandent pourquoi je porte mon corps tourner dans l'arrière. Ils me disent, comment, maintenant, vous savez dans le bar de l'éternel. Il a dit, il y a un peu de différence, il ne devrait pas y en avoir. Il a dit, nous sommes tous les enfants de Dieu. Il a dit, j'ai donné un frère de catholique qui est devenu présent. Il a dit, tu vas être présent partout. Or, on ne peut pas être devenu présent sans être omniscient. Dieu n'est même pas devenu présent. Dieu est omniscient. En étant omniscient, il a dit, il est devenu présent. Il peut qu'il connaît toutes choses. Et pour pouvoir être le maître, il doit se trouver dans son soleil. Parce qu'il est omniscient. Omniscient, il peut pas être devenu présent. En effet, il connaît toutes choses. Il le connaissait avant la sagesse. Alors que le monde soit en vous, combien il y avait le plus de vous, combien il respecte, combien de fois il signerait des yeux, et puis dans leur sujet, voyez-vous, quand il est devenu présent, on ne peut pas être omniscient, dans l'infini, et il n'y a qu'une chose sur l'infini, Dieu.
Amen. Et alors, vous répétez, c'est le diable qui est venu nous voir comme un sac. Il vient entre tous. C'est exactement ce que la révélation. Il dit voilà, on dit, il s'est produit en train chez les pasteurs de Dieu, et il est venu nous voir comme un sac. Et alors, oh, après ce témoignage, le Dieu m'a dit, heureusement que je n'étais pas pris dans le sol, parce qu'il m'aurait probablement fait être en prison là-bas. Il avait certainement pensé, il dit voilà. Et les gens avertis, ils savent. Ils sont derrière, c'est ce jour-là, les tâches connaissent mon leur Dieu. Ils me suivent. Ils disent, les tâches connaissent mon leur Dieu. Ils disent, c'est ça. Mais quand j'ai vu ce soldat anglais, les tantôt qui se tenaient là, la cuisine. Non, on va le voir là, on va regarder comme ça. Il dit, oh là là. Ah, il était là, avec son inscription, comme on avait raffiné, vous savez, lui. Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu l'a fait naître. Il ne les raffine pas avec une inscription. Il les raffine par l'humilité, par la puissance de sa parole manifestée, pour montrer la forme directe. Lui, il a été tiré. Alors, quelqu'un m'a dit, il a dit, il a dit, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre dans votre sujet. Il dit, voilà. Je dis là-bas dans ce couloir, je pense que là où les autres, et que j'ai dit, la merveille, j'étais là, et ils ont tous trouvé le point, il y avait ce monde-là. La ministre qui s'est payée un pantalon jusqu'à moi, parce qu'on peut tourner à l'arrière, il m'a dit, pourquoi est-ce que vous êtes toujours en train de demander des gens? Il y a des gens là, quand vous êtes en train de vous et que vous deviez être doux et gentil avec lui. Et tout. Et à chaque fois que je vous entends, quand vous vous levez, j'en ai des lèvres, ou si j'ai des cheveux courts, ou si j'ai des chocs, ou si j'ai des pillages, et de toutes les autres choses, vous en avez des gens, vous leur dites qu'ils sont trop formalistes et indifférents. Il a dit, pourquoi est-ce que vous faites ça? Il a dit, ces gens-là vous aiment, c'est moi qui vois qu'un peu de Dieu m'en fout d'amour. Et faire une chose pareille. J'ai pensé, Seigneur, permets-moi de répondre à cet homme intelligent. Voilà. Permets-moi donc de lui répondre quelque part pour qu'il se parle de sa propre corps. Oui. Il dit bien, il dit. Monsieur, avez-vous déjà vu l'histoire du grand producteur de musique qui avait des. Du grand compositeur qui avait des réseaux, hein? Il a dit, oh, bien sûr, j'ai vu l'histoire de Beethoven. Ah, c'est. J'ai dit, il a probablement déchiré beaucoup de brouillons, des corbeilles d'herbe, mais il a donné au monde le chef-d'œuvre. Il n'a plus ouvert la bouche, il n'a pas dit un seul mot. J'ai dit, quand il était dans son bureau, son inspiration, il avait quelque chose, il allait dans son bureau, il ne comprenait pas, il est jeté au revu, il l'a jeté dans la corbeille à papier, et quand c'était terminé, et je lui ai donné par l'inspiration, le monde avait le chef-d'œuvre. Où combien la parole blanche? Elle a produit des chefs-d'œuvre. Oui. Elle enlève toute la barre et toute la grève. Elle produit un chef-d'œuvre. J'ai 7 minutes pour vous raconter quelque chose qui est arrivé avant hier. Vous sortez là. Le 3 juillet, j'étais ici, dans le. Au centre ici. Au centre commercial, plus près du sol ici. J'étais à Pial, à Rome, en France, j'étais à New York, à Los Angeles. Mais le groupe d'affaires les plus évidents que j'ai vus de toute ma vie, c'est à cette personne-ville dans l'Indiana. Je n'ai jamais vu autant de barbouillage et de souillure de ma vie, comme ma voix chez ces gens-là. J'étais là, je m'attendais la terre, à ce point-là, dans mon Seigneur par une vision. Maintenant, je vais vous raconter la vision. Je ne sais pas si je peux la contrôler, mais je vais raconter la vision pour la première fois. Je suis entré en France. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un avec moi. Je n'ai pas vu la personne. C'était seulement moi. Et j'ai regardé. Et comme je regardais dans cette direction-ci, l'écho va apparaître pour une vision claire. J'ai regardé et j'ai vu, venant vers moi, le plus beau groupe de femmes. Proprement vêtu, il est plus joli que j'avais jamais vu de ma vie. Mais chacune d'elles avait un habillement différent, semble-t-il. Elles avaient toutes les cheveux longs, et elles avaient des manches et des jupes plus longues et douces. Les jeunes femmes, elles avaient l'air d'avoir, disons, pour une vingtaine d'années. Maintenant, la ville est ouverte ici devant moi. Oui, je peux se demander ce que j'ai vu. Si vous êtes que vous regardez, je regarde mon ange. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche des gens. Je regarde les gens. Qu'est-ce que vous regardez? Je regarde la ville. C'est ça. Je ne savais plus. C'est ce que je vois. Et je peux te demander ce que j'ai vu. Je ne sais pas ce que, tout ce qu'il en est.
il faut que je vous le raconte, c'est tout. Mais quand cette épouse, elle avait regardé celui qui me parlait, moi, nous étions ensemble, elle avait les yeux. C'était la personne la plus grande et la plus charmante à voir que je n'avais jamais vu dans la vie. Il devait y en avoir une douzaine de plus, je ne sais pas combien il y en avait de temps, mais il y en avait un groupe, certainement. Et elle a défilé doucement sur un âme. Et elle levait les yeux, elle regardait en défilant. Oh, elle était là avec ça. Je l'ai regardé, alors qu'elle défilait, il a dit, maintenant, nous allons passer en revue, il a dit ça. Maintenant, nous allons passer les défilés en revue. Et elles sont arrivées, je les ai vues, qui approchaient. Et quand elles sont arrivées, chacune semblait dire qu'elle était belle, etc. Je n'avais jamais vu une barre de temps, donc j'ai tant de temps. Et quand il a dit ensuite, j'ai entendu de lui, et il a dit ensuite, il a dit, voici le groupe américain. Maintenant, je suis moi-même américain. Mais ça, on m'a soulevé le cœur. Je ne peux pas m'exprimer en faire un CIL avant, dans un tourné, pour dire ce qui s'est passé. Je l'ai dit entre les lignes. Mais quand ces femmes se sont avancées, celle qui était à la tête, c'était une sorcière. Elle avait un nez très long et une très grande bouche, et elles étaient toutes vêtues d'une espèce de vêtement qui couvrait la partie du bas. Ici, très haut, c'était seulement une dent qui, juste une petite dent d'à peu près 1,5 pouce, qui montait et faisait le tour comme ceci. Et chaque femme avait une espèce de. Beaucoup d'entre vous, il y a des anneaux comme ça. Vous vous souvenez quand on fait le papier là, vous savez, le papier journal, comme une chasse-mouche avec ça. Quand on est en bien, vous savez, et le ventre qui est sincère dans les carnavals, vous savez, je suis en comme ça, le papier, donc on a des feuilles à le papier, et vous avez quelque chose qui permet de couvrir le bas, qui permet de couvrir la partie du bas, et cette partie était découverte. Chacune avait les cheveux coupés très gros, et quand on était prisé partout comme ça, les cheveux coupés vraiment très gros, et toute maquillée, elle ne ressemblait à rien, elle ne ressemblait à rien moins qu'elle était prostituée, et elle marchait avec ce morceau de papier, et quelle égalité! Donc, ce qu'elles avaient devant elles, c'était ce morceau de papier. Et quand elles ont défilé devant un petit peu, leur dos, et de voir la manière dont elles se comportaient, de demander de l'eau, de façon de se conduire, j'ai dit, est-ce que c'est ça, l'Église? Et elle a continué son chemin. Et elle chantait ses chansons de tous les tableaux, là. Vous savez le nom que vous donnez à ça? Elle disait, elle chantait ça et elle partait. J'ai dit, est-ce que c'est ça, l'Église? J'étais là, et dans mon cœur, je pleurais. La sorcière, d'après moi, elle n'est absolument rien d'autre que elle est ce conseil mondial de l'Église. Mais quand vous êtes plus loin, sur le chemin où elle est. Elles ont tourné à gauche, et elles sont servies dans le cœur. Elles continuent de s'amuser, et à faire des bruits vraiment bizarres, c'est que leur cœur, vous pouvez le faire. Puis comme ça, elles se démenaient comme ça. En marchant. Et comme j'avais trouvé la tête, il a dit, attends, l'épouse doit revenir. J'ai regardé, et les voilà qui sont revenus. Et elles ont défilé, des petites dents charmantes à voir. Elles avaient toutes des regards assez sur moi quand elles défilaient, et j'ai remarqué que chacune portait un aliment de fer. L'une d'elles était en arrière avec un cheveu long qui descendait dans le dos. Il était enroulé comme ceci, au cas d'un an, ou quelque chose comme ça, je les observais. Comme elle repartait d'où, dans l'entraide, en arrière, on ne peut plus le pas, et j'allais leur crier, et j'essayais de reprendre le pas, et je les voyais, la vision elle disparu peu à peu, et ça s'est transformé devant moi. Maintenant, votre interprétation. La raison, donc, souvenez-vous, je venais juste de finir de prier, je n'avais pas fini, je n'avais pas encore écouté. Mais en prêchant, ce matin, j'ai compris ce que c'était, en pleine prédication. Avez-vous remarqué? L'Église est seulement apparue. Or, c'est la vérité, mes amis. Le Père Céleste, qui a parlé, sait que je dis la vérité. Vous voyez, je sais que j'ai dit seulement la vérité. Et je donne une source en petit, il y a quelques lunettes, tout dernièrement, voyez-vous. Avez-vous remarqué? L'Épouse est apparue deux fois. La première semence. Et la deuxième semence, et les deux, c'est exactement la même semence. Et la raison pour laquelle ils étaient portés des vêtements de différents blancs, elles viennent de toutes les nations pour former les épouses. Elles avaient tous des cheveux longs, de maquillage, de très jeunes filles. Et elles me regardaient, cela représentait l'épouse qui sortira de toutes les nations. Vous voyez, et elles, c'était représentées une nation, alors qu'elles marchaient complètement unies sur la parole. Et alors, il faut que je l'ai à l'œil.
elle sortira pas de la balle, hein, si elle ne voit pas même, elle va regarder des films. Si elle part comme ça, peut-être que ce sera vraiment moi, je vais vous donner, voyez-vous, elle aurait fini quelque chose. Et en réalité, elle revenait, ils faisaient tout leur possible, elle revenait, elle cherchait à se mettre en ligne, c'est qu'elles avaient les yeux ailleurs. Et de regarder cette église qui venait de s'en aller dans le chaos. Mais eux, c'est d'en avant, jamais. C'est d'en arrière, c'est d'en deux. D'en arrière, elles étaient un peu sorties derrière, vers le bas. Et de là, elles cherchaient, elles se mettaient en ligne, pendant qu'elles défilaient. Elles venaient juste de passer devant moi. Oh, elles étaient peut-être si au mur de moi. Et je le tenais là. Et alors, j'ai vu tout se passer loin, l'église s'en allait. Et si vous remarquez, l'église n'était pas avec deux fois. Chaque nation, l'église. Et l'épouse était apparue deux fois. Vous voyez ce que c'était? Moi, je ne le savais pas, mais mon mari se donne un message ce matin. Je ne le savais pas, vous voyez. La semence est tombée en face de la lycée. Celle-là, c'était la semence originelle. Et elle a été formée. La énergie de ces différentes déterminations qui ne sont produites qu'une fois. Je vais tuer. Vous voyez, le chef de l'œuvre m'a été enlevé. Voilà la raison pour laquelle elle est apparue. Elle a été passée en revue la deuxième fois. Elle a dépassé en revue la première fois, ensuite elle a dépassé en revue la deuxième fois. Et la deuxième fois, elle était parfaitement identique à la première fois. Oh Dieu, elle est miséricorde. Détache-toi. Oui, hein, on va régler la vitesse. Oui. Toutes les autres ne sont plus jamais réapparues. Elles sont reparties pour ne plus jamais revenir. Mais l'épouse est revenue parce qu'elle était là, pas une pécheur. Dieu, le grand sculpteur, s'est formé un chef-d'œuvre. Parce qu'il est un morceau de son premier chef-d'œuvre. Comme il en avait fait un dans le jardin des Indes, il en avait pris un morceau et il avait fait un autre morceau avec. Lequel a dégagé et est tombé. Voilà qu'il a pu plus se faire le reconstruire. Il a connu ce chef-d'œuvre qui a été frappé pour cette partie-là qui a été frappée. C'était pour ramener de nouveau ce chef-d'œuvre, de nouveau. Alors le chef de l'œuvre est le fils de Dieu, le chef de l'œuvre est l'épouse. C'est un morceau de lui qui doit être l'accomplissement de la parole. La parole s'est accomplie et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. Oh, et puis du Dieu vivant, trouvez vos cœurs et vos actes devant Dieu. Ces choses sont vraies. Je sais qu'on serait porté à croire qu'une chose aussi glorieuse que celle-là serait vraiment répandue dans toutes les nations. Ça ne l'a jamais été. Il ne change pas sa manière de faire. Soyez seulement reconnaissant. Et lui, soyez reconnaissant là où vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes en Christ, en effet, vous voyez, là, quand celle-ci, souvenez-vous, cette vie sera toute assemblée dans la vie pour la résurrection. Et la vie doit être brûlée. Tout le reste, là-bas, doit être détruit et le sera. Ne vous confiez pas à cette détermination. Restez dans la parole, la vie. Dieu est son chef-d'œuvre. Alors, dans le millénium, qu'est-ce que c'est? L'aide de son épouse, de retour dans le jardin du millénium. Amen. Je m'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut? Sur la voie du calvaire. C'est là qu'il a été frappé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et affligé. Mais c'était blessé pour mon transgression, brisé pour ma iniquité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'est pas dans ce grain ce matin? La vie est en train de détacher son dernier morceau de la femme. La balle est en train de sécher. Combien ça que l'église pentecôtiste est en train de sécher? Qu'est-ce que c'est? La vie à quitte? Franchement, elle n'est plus là. Et si nous avons déjà eu la vision préalable de l'épouse, dans ce cas, nous demandons si l'épouse n'est pas déjà complète. L'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé, il a fait. Et
et admis mon salut. Sur le bois, j'avais. Avec la peine infinie maintenant, il y a des gens ici qui aimeraient qu'on pense à vous. Si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas mes amis, c'est pour ça. Jamais de ma vie, je n'ai eu une vision sans que quelque chose arrive après. Je dis la vérité. Toutes les autres fois, si j'ai dit la vérité, que tu l'avais montré, alors je dis la vérité cette fois. Je ne sais pas en quel jour nous vivons, mais je sais qu'il ne reste plus rien à venir. Aucun politicien ne pourrait venir réaliser la chose. La politique, la nation fichue. Oh Dieu, pouvez-vous aller à ta profondeur pour le ressentir? La nation est fichue. Pas la nation, mais les nations. Celle-ci est la meilleure de toutes. Et elle est fichue. Alors si les nations sont fichues, le monde est fichu. Et les églises, à mon avis, la Pentecôte, c'est la meilleure qu'il y a eu. Mais elle est fichue. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Si vous ne le connaissez pas, je vous en prie, dépêchez-vous. Si vous pouvez ressentir la vie, sortez de votre péché, sortez de vous êtes. Allez dans la graine, en vitesse. Dans la tige, dans la vague, vous mourrez. Priez pendant que nous chantons maintenant. Je l'aime. Il n'en tient qu'à vous maintenant. Nous n'avons aucune illumination, rien du tout. Tout ce que nous avons, c'est Christ. Nous vous invitons à adorer avec lui, avec nous, jusqu'à ce qu'il vienne. Nous ne pouvons pas mettre votre nom dans le livre, nous n'avons pas de vie. Nous voulons voir votre nom dans le livre de vie. C'est seulement par la naissance que vous pourrez arriver à ça. Ne voulez-vous pas le faire tout de suite? Demandez à Christ une vie nouvelle, de vous faire entrer, de mettre votre nom dans son livre, s'il n'y est pas. Alors, vous pourrez peut-être être avec nous, nous aimerions beaucoup vous avoir avec nous. Dieu bien-aimé, maintenant, aide-nous chacun à faire un enfant pour voir si nous sommes en lui. Tu nous as aidés. Tu as été frappé pour nous et nous t'avons considéré comme frappé et affligé par Dieu. Je te prie, ô Dieu, d'appeler chacun. Seigneur, parle à mes enfants, à mes bien-aimés, à mes amis. Accorde-le, Seigneur, à l'instant, par le nom de Jésus-Christ. Que personne n'attend trop longtemps, Seigneur. On dirait que c'est évidemment proche. La moisson est vraiment mûre. La grande moissonneuse de Dieu parcourra le pays un de ces jours. Les vrais de paille vont voler de tous côtés. Mais le blé sera rassemblé au grenier. Enlevé. Parce qu'en lui, se trouve la vie. Accorde-nous, Seigneur, que chaque demande soit exaucée, que chaque prière soit manifestée devant toi. Je prie pour vous, Seigneur. Je te prie de ne pas laisser une seule personne ici être perdue, Seigneur. Et ils sont restés assis dans des conditions difficiles. Ils font des centaines de vies en voiture. Alors, tu leur demandes le moins, donne-le-lui, Seigneur. Et qui est là pour nous, Seigneur. Non pas ce qui est bon à vos yeux, mais ce qui est bon à tes yeux. Ils l'ont fait comme bien retour. Elle a été chantée, réprimandée par Dieu, pour que nous puissions être plus doux de nos péchés. C'est ma prière que j'adresse pour vous, Seigneur. Je ne sais pas comment prier. Nous parlons à Dieu puissant. Et quel être humain, quel être mortel pour faire la prière de tout devant le divin.
Seigneur, mais moi, mal prononcé, mes noms, mes pronoms, là, là où ils ne vont pas. Si tu as pu prendre les lettres de l'alphabet un jour et en former une phrase pour un petit garçon, si tu fermes les yeux sur mes noms et mes pronoms, et simplement regarder ce que je crois, Seigneur. Je crois en toi, je crois en ta parole, et j'ai la foi pour chaque personne qui est ici. Et je ne jamais à cette hôtel, Seigneur, par la foi, là où entre nous, le grand Jéhovah, il y a le sang de ton fils. Et le sang parlera pour nous. Quand il a frappé au calvaire, pour être victoire, expliquez-le. Et le sang qui a été dit par lui, c'est le sang de l'avion de l'Ancien Testament. Car le sang de Dieu, par lui, c'est le sang de Dieu. Le plus grand chose, parle, Seigneur, de l'élection pour lui. Alors que nous faisons appel à toi, à ta révélation, glorieux Père de la vie. Inclus, Seigneur, si nous avons péché, au sein de nous, nous ne voulons pas avoir de comme ça, Seigneur, ce n'est pas notre intention. Nous nous rendons compte que nous vivons pour un chemin de grand route, il semble, que nous le visions comme un train, nous marchons en vers le temps de montagne, nous passons dans des endroits rabotés, sombres et le temps de vie, mais nous portons la lumière. Et si on nous voit le sentier pas à pas, alors que nous avançons maintenant, jusqu'à ce que nous retrouvions, comme dans le voyage tout à l'heure, jusqu'à ce que nous finissions par arriver au haut de la salle. Dis-nous, au berger, grand Jéhovah, conduis-nous par ton esprit. Nous savons que nous sommes loin d'être nos chefs-d'œuvre. Et nous considérons, oui, nous avons été parmi le vrai chef-d'œuvre. Et c'est en lui que nous confions. Un ami certainement à lui, Seigneur, accorde-le, Seigneur. Guéris-tu les malades qui sont ici, Seigneur. Nous l'avons considéré comme frappé et affligé. Mais il était adopté pour nos transgressions. Le chef-d'œuvre aurait dû être frappé. Et il était adopté pour nos transgressions, c'est parce que nous sommes plus sûrs que guéris les malades, Seigneur, qui sont en train de présenter dans ce moment, car nous savons que tu es ici. Purifions l'âme, mon cœur, de tout ce qui est mauvais, de toute mauvaise pensée, de toute parole mauvaise, de tout ce qui est mal. Purifions. Et nous te prions, Père, de guérir notre maladie. Et que nous repartions d'ici avec le sentiment que nous sommes tes enfants sanctifiés. Et couverts par le sang, nous parlons à travers le sang, la parole. Accorde-le, Seigneur. Nous le demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père, sur ce mouchoir, on est de ta présence, Seigneur. Que ta présence soit avec eux, où qu'ils aillent. Là où ils seront posés, que tout corps malade soit guéri. Et peu importe de quoi il faut s'agir, s'il y a un foyer d'hygiène quelque part, réconcilie-le, Seigneur, avec grâce plus tard. Accorde-le, Seigneur. Façonne-nous et fais-nous des fils et des filles de Dieu. Nous croyons que l'épouse est en train de recevoir son dernier commissage. Et elle sera retranchée de l'organisation entière, complètement. Et alors, ce sera la grande moisson. Jusque-là, Seigneur, donne-leur la santé et qu'ils soient heureux de te servir. Au nom de Jésus. Amen. Je l'aime. Je l'aimez-vous vraiment? Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à la fille, mon salut. Maintenant, ce que vous comprenez pourquoi je vous demande, ce n'est pas parce que je vous aime, pas parce que je ne vous aime pas. Je vous aime, hein? Je veux le chef-d'œuvre pour la main.
Il se peut que je dois m'en aller quelques-uns comme ça, mais j'aurai un chef-d'œuvre de 7 jours si je ne tiens pas ma main à ma chef de travail. Et Jacques, quand Jésus a dit à ceux qui tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres, ils deviendront être tellement heureux les uns les autres. Béni soit le nez qui vous unit en Christ. Le Saint Amour, l'amour divin, que verse en nous l'Esprit. Prenons-nous par la main. Si nous devons bientôt quitter ce lieu béni, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Revêt-toi, nom de Jésus. Ô toi, enfant de grisette, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Les yeux longs, non si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Les yeux longs, non si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Maintenant, souvenez-vous, pendant notre voyage, revêtez-moi du nom de Jésus comme un puissant bouclier.